Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les offres, comme par exemple les cartes PSN 50€ qui sont à seulement 41,94€. Il en va de même pour de la Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Steam, etc. Vous avez de nombreuses offres en promotion, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, ça fait Nokik et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends. On va partir en invocation pour aller essayer de choper le Goku Kaioken, mais également le Freezer Revive qui viennent de débarquer sur le jeu de Dragon Ball Legends. Franchement, ça fait plaisir. Avoir un petit Freezer Revive, voilà, il n'y avait pas de Revive LOE, tu vois. Donc avoir ce genre d'unité qui débarque sur le jeu, c'est vraiment intéressant. Mais surtout également le Goku Kaioken. Moi, le Kaioken, je kiffe, tu vois. Alors peut-être parce que je suis un ancien, je sais pas, je sais même pas d'ailleurs, dites-moi vous aussi, ceux qui font partie de la nouvelle génération, est-ce que vous kiffez le Kaioken tel que moi j'avais pu le kiffer à l'époque, je me souviens dans l'arc Saiyan, le Kaioken face à Vegeta, c'était quelque chose, et dans l'arc Namek, incroyable, je me souviens, voilà, on attendait tous le Kaioken face à Freezer. Et ça avait donné quelque chose de vraiment très très costaud. Voilà, avec ce Kamehameha, je me souviens. Mais il y avait également le Kamehameha où il était en train d'enchaîner Freezer. Et justement, je trouve que Dragon Ball Legends l'ont vraiment bien retranscrit, où il disait Kamehameha avant de se mettre en position. C'est ça. Oh là 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 là. Ah, mais, ah, mais, et après le lance. C'était incroyable. Et je me souviens que Freezer, si mes souvenirs sont bons, a arrêté le Kamehameha d'une main. Il avait eu mal. Il avait eu mal, tu vois. Et du coup, Goku, je m'en souviens, il était comme ça. Et après, il avait fait enfoiré. Tu vois, c'était vraiment un truc de fou. Ça me remet un petit peu des souvenirs dans la tête. C'est la nostalgie. C'est ça qu'on aime dans Dragon Ball Legends. Donc voilà un petit peu. On a également le Goku SSJ du film Couleur. On a également le Piccolo avec ses bras qui s'allongent. Moi, je trouve ça vraiment stylé, hein, ce genre d'unité. Le Gohan Revive, du coup, le petit Gohan de l'arc Namek avec le Nappa Topo Akashin. Donc, lui, j'ai déjà 14 étoiles. Donc, voilà. Le duo de Kai et Caulifla. Kit de Goku GT SSJ 3, pourquoi pas. Le Majoub, j'ai déjà 14 étoiles. Donc, non. Et puis, bon, Goku Kaioken. Donc, j'aimerais bien l'avoir. On va regarder également au niveau des SP du Freezer Revive. Voilà, c'est les SP assez basique, je crois que normalement il envoie une, elle griffe, voilà, voilà, c'est comme une espèce de griffe. En revanche, la deuxième SP, elle est vraiment masterclass. Il balance ta 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 ta, et franchement je trouve qu'elle est vraiment bien. Il manquerait plus qu'un Legendary Finish et voilà quoi, tu vois. Regarde, ta 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 ta, bah 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 bah. C'est un délire, franchement je trouve qu'il est vraiment très intéressant et apparemment ils sont super forts. Alors moi j'ai pas pu encore les tester puisque je ne les ai toujours pas. Et d'ailleurs on va partir en invocation max de pouces bleus les amis, comme d'habitude. Et en mode Genkidama. Allez, on part direct sur la petite single. Yeah, c'est parti. Donc voilà, et je tiens à préciser que c'est un portail Legends All Star, ce qui signifie que une fois que vous obtenez l'unité, d'accord, une des deux unités, le Goku Kaioken ou le Freezer Revive, si vous payez 2000 cristaux, vous pouvez l'obtenir directement à 6 étoiles. Mais il faut d'abord choper au moins une fois. Voilà. Allez, let's go. Donc là, je pense que ça va être un EX. Un petit perso EX. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et c'est le Kid Gohan EX. Ok, pourquoi pas. Du coup, il passe 14 étoiles. Bon, ok. Ok, ok. 14 étoiles là-dessus. Et ben maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, je tiens quand même à vous le montrer au cas où pour les nouveaux joueurs. Si vous ne savez pas comment passer vos nouvelles unités à 6 étoiles, si jamais vous les droppez. Si vous avez le Goku Kaioken ou le Freezer Revive, vous allez sur menu, vous allez dans mission, et dans mission vous allez sur l'onglet spécial ici. Et là vous voyez, vous avez l'onglet Goku Kaioken et l'onglet ici de Freezer. Et comme vous pouvez le constater, dès que vous les avez, vous payez 2000 cristaux, vous faites les missions et vous allez obtenir votre personnage à 6 étoiles, parce qu'il y a les PZ ici qui vont vous permettre de monter votre personnage en étoile. Et il en va de même pour le Freezer. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant on est parti du coup pour passer aux choses sérieuses. 3, 2, 1, yeah! Donc voilà, à chaque multi-invocation, on a un sparking garanti. Donc ça déjà, voilà, on sait qu'il va y avoir des belles animations. Après, on aimerait bien de l'animation Badak, de l'animation Trunks. Au moins, ça garantit une des nouvelles unités. Voilà, clairement. Si tu vois Badak arriver, ou tu vois un petit Trunks arriver, tu sais que là, c'est soit le Goku Kaioken, soit le Freezer Revive. Bon, là, animation
SSJ qui prend le dessus, donc Sparkling, c'est normal, de toute façon, il y a toujours Sparkling garantie. Alors, ok, let's go, héros, ok, troisième héros, ok, quatrième héros, allons-y, ok, c'est que du héros, on est, ok, un IX, et B, Ribrian, Maïté, va la cousine, ok, encore un héros, c'est Videl, ok, très bien, Kid Gohan, c'est quoi cette multi-là? C'est quoi cette multi claquée au sol, là? Et du coup, Gogeta, type bleu, transpo, SSJ, que j'ai déjà 14 étoiles en Zenkai 7. On commence mal. On commence très mal, j'ai envie de vous dire. Là, franchement, on commence vraiment très, très mal. Mais bon, ça a été la première. C'est l'échauffement. On est parti pour la deuxième. 3, 2, 1. Et que ça yeah. Allez, let's go. Allez, 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 c'est parti, les amis. C'est parti. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir, le jeu. Fais-nous plaisir. Oh, 5 capsules, on est toujours sur... Bon, Vegeta, mais on est toujours sur la planète de la Hesse, tu vois. Namek. Namek de la Hesse. C'est trop... On aimerait bien qu'elle soit en feu, on aimerait bien aller dans les montagnes, dans l'espace, tu vois, un truc qui sort de l'ordinaire, tu vois. Ok, Jis. Frost. Oh, Sparkling, très bien. Ah, c'est bien ça. Ah bah c'est bien, on a fait tomber le Freezer Revive. Oh, j'ai même pas fait attention s'il y a eu le passé ou pas. Il y a eu le passé ou pas? J'ai même pas fait attention, les frérots. Je m'attendais vraiment pas. Bon bah c'est bien ça. Bon bah c'est cool. Freezer, Revive, qui tombe. Yeah. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bon bah ça c'est bien. Et du coup en plus il va y avoir un deuxième Sparkling. Parce que le tout, enfin la toute dernière unité de la multi à chaque fois est Sparkling. Donc oh attends, bah il y en aura même 3. Ok, C21 gentil type vert, je vais prendre hein. On prend. Ok, donc il va y avoir un troisième Sparkling. Ok. Goldo. Putain mais je m'y attendais vraiment pas. Je m'y attendais vraiment pas. Donc du coup pour 2000 cristaux bah je pourrais l'avoir à 6 étoiles. Ok, troisième. Et encore C21, gentil. Bon ok, ok. Bon bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah il était déjà 14 étoiles. Mince, je croyais qu'elle était 13 étoiles. Ok, bon bah déjà on a fait tomber le Freezer. C'est déjà une très bonne chose les amis. Le Freezer du coup. Alors je suis pas un grand spécialiste pour jouer la team LOE en PVP. Je vais être honnête, en 3 ans et demi de jeu, bientôt 4 ans, voilà, au mois de mai, hein, c'est l'anniversaire des 4 ans au mois de mai, le 30 mai, si je ne dis pas de bêtises, j'ai jamais joué de team LOE. Parce que clairement, en fait, j'avais pas les unités adéquates, j'avais pas les étoiles nécessaires, tandis que maintenant, voilà, j'ai quand même une box vraiment bien garnie, voilà, en 4 ans de jeu, j'ai quand même, par exemple, le couleur Zenkai 7 à 1400%, tout ça, j'ai même également le Freezer LF type jaune avec pas mal d'étoiles, donc je pense que là, ça serait le moyen, du coup, de le monter en étoile, lui, et de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc, du coup, pour 2000 cristaux, bah, et vous savez quoi? On va d'abord faire ça, hop, et après, on va le monter en étoile. 3, 2, 1, yeah! Allez, c'est parti! Allez, le jeu, ish, fait plaisir, là. Fait plaisir, ça ferait plaisir d'avoir cette fois-ci le Goku Kaioken. T'as le Goku Kaioken, je suis bien. Ah si, franchement, je fais tomber le Goku Kaioken, je suis vraiment trop bien. Surtout que là, c'est avec des cristaux free-to-play, j'ai pas mis d'argent, donc franchement, déjà, je suis content d'avoir le Freezer. Je vais pas, franchement, je vais pas me plaindre. Je vais vraiment pas me plaindre, ok. Donc là, par contre, il y a eu le Glycéor. SSJ, donc c'est Sparking Garantie, mais Goku n'a pas pris le dessus. C'est très rare. C'est très très rare de voir ça. Pourquoi pas, hein. On va voir, hein. Raditsu. Ok. Goku EX. Rikum. Tars. Ok, donc là, il va y avoir, à mon avis, qu'un seul Sparking. Ok. Guldo. Le Sparking. Et c'est le Broly DBS Transfo que j'ai déjà 14 étoiles, donc que j'ai Zenkai aussi, et qui est 14 étoiles. Donc c'est pas vraiment ce que je demande, tu vois, le jeu, c'est pas vraiment... Voilà. Les dépassements nanana, peuvent être débloqués, allez vite consulter. Oui, 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 on va les consulter après, t'inquiète pas. Hein. Reste gentil, Toshi. Toi, tu veux toujours des cristaux. Reste tranquille, on va consulter après. 3, 2, 1, yeah! Allez, c'est parti. Allez, s'il te plaît, le jeu. S'il te plaît, fais plaisir. S'il te plaît, Goku Kaioken, on est bien. Namek en feu. Badak ou pas? Des fois, Badak, il arrive, hein.
Non, il n'est pas venu mettre son crochet là. Il n'est pas venu glisser hors. SSJ. Et il prend le dessus. Bon, est-ce que tu peux venir, Goku Kaioken? Est-ce que tu peux venir nous voir? Ok. Tiako. Très bien. Frost. Ok, encore de l'héros. Il y a beaucoup de héros quand même. Hein. Franchement, j'ai beaucoup de héros. Hein. Je vais pas me plaindre parce que j'ai eu le Freezer Revive. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de persos héros. Hein. Franchement, oh là 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 là. Pan, ok. Cell, très bien. Black Goku Rosé EX, ok. Caulifla. C'est pas dingue. Hein. Franchement, là, c'est vraiment pas dingue ce qu'on a eu. C'est pas foufou, hein. Mais vas-y, c'est pas grave. Au moins, voilà, on a le Freezer, donc du coup, je vais le monter en étoile, parce que le but, voilà, c'est de le tester au moins à 6 étoiles, histoire, voilà, d'avoir la cape Z bien, bien up, etc. Donc là, voilà, je vais payer les 2000 cristaux, bim. Et du coup, comme ça, j'ai plus qu'à farmer, voilà, on me dit de dépenser des énergies, 30 énergies, 40 énergies, 50 énergies, gagner des combats, donc voilà, après si je fais du PVP, voilà, je vais gagner des combats, et puis c'est tout, voilà, en fait, faut juste gagner 20 combats, faut que je dépense 50 énergies et que je gagne 20 combats, et du coup, j'aurai le Freezer à 6 étoiles. Et pour le coup, on pourra aller le tester également, mesdames et mesdames, en PVP. Voilà, max de pouces bleus, les amis, sur cette vidéo. N'hésitez pas à réagir également dans l'espace commentaire, à me dire si vous aussi, vous avez eu de la chance ou non. En tout cas, pour le coup, je suis quand même super content d'avoir eu ce Freezer Revive. Et n'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo pour aller sur le lien du site Instant Gaming et vous faire plaisir. Il y a des cartes PSN, Nintendo Switch, Xbox, abonnement PSN, des jeux en veux-tu, en voilà, fais-toi plaisir et participez également au jeu concours. C'est gratuit, quand on peut faire plaisir à la communauté, ben ça fait également plaisir pour moi. Voilà, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!